Attention, ce sera la dernière vidéo de la chaîne. Rendez-vous à la fin de cette vidéo pour savoir un petit peu plus là-dessus, quoi. Entre temps, bah bon visionnage. Sur YouTube, y'a des gens sympas qui faisaient des vidéos pour toi. Toutes leurs émissions, ils le faisaient avec passion. Sur YouTube, y'a des gens sympas qui te soutiennent quand il arrive. Dans le passé. Oh, le copieur de Crazy Monk, quoi. Ouais, et alors? Non, c'est juste pour signaler que bah, t'avais fait pareil, quoi, parce que... Voilà. Dumbo était tué par la girafe. C'est pas grave parce qu'il y a la poule sur la licorne qui attaque le gros monstre. Ah, et tout le monde entier est sauvé grâce à nous. Ouais, et ils font tous une parmouze. C'est pas comme ça qu'on dit. On est quand même dans un Disney, j'allais pas dire le mot partout, je suis pas si conne que ça quand même. Dites les filles, ça vous dirait que je vous raconte comment votre grand-père est mort? Seulement si c'est une histoire bien glauque et lugubre. Y avait beaucoup de sang. Ça a été un carnage qui me traumatise toujours aujourd'hui. Oui, super, oui, raconte-nous, papa. Elles sont pas un peu trop jeunes pour ça? Commence pas à me casser les couilles, toi. Avec mon père, on s'est retrouvés dans une forêt enchantée. Et bah ce jour-là, putain, comme d'hab, on attaquait tranquille les indigènes. Et bah ces cons, ils se sont défendus, ils ont essayé de nous tuer. Et bah ils ont réussi, ils ont buté votre grand-père, ces enfoirés. Papa! Et depuis ce jour, bah on les a gazés et plus de nouvelles, pouf. Et quand je suis rentré à la maison, c'était moi le nouveau roi. De la tribu de Dana? Allez, finis les conneries pour ce soir, dormez les filles. Pff, tu sais, c'est quand même grave, papa, il connaît pas Mano. Ça c'était de la musique maintenant, on a Timat, Aya Nakamura, Maître Gims et Jules. Dans le présent. Oui, c'est Madame la Reine. Oh. On vous attend. Oui, j'arrive. T'as rien vu, d'accord? T'as entendu ça? Mais c'est quoi? Oh, c'est sûrement le vent. Coucou, petit bonhomme de neige, qu'est-ce que tu fais sur ce tapis? Bah déconne ou quoi, c'est pas un tapis, c'est une nappe. Une nappe réfrigérée qui fait super du bien à mes fesses. Et toi, qu'est-ce que tu veux? T'essaies de m'attaquer, c'est ça? T'essaies de me buter, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'inquiète pas, ma petite princesse Anna, je vais te protéger de cette merde. Sinon, ça va, toi? Toujours pas de prince dans le collimateur? Non. Si jamais un jour t'es dans le besoin, oublie pas, j'ai une carotte si tu veux l'utiliser, bah... Ok. Tu sais, quelquefois dans la vie, je pense que... Faut savoir accepter l'aide des autres. Allez, vas-y, esclave. Au boulot. Sérieux, avec un bonhomme de neige. Wow! C'est pas mal du tout. Hey Sven, ces carottes sont complètement inutiles. Oublie pas que tu m'as à moi, je suis là pour toi. Hein. Bah tiens d'ailleurs Sven, est-ce que tu voudrais m'épouser? C'est ça, Zoophile, oh, regarde pas ça. Ah, c'est une affection. Pauvre Anna, elle devrait peut-être consulter un médecin, je veux dire. Mais c'est quoi ce bruit? Putain, sérieux, d'où ça vient? Arrêtez de me faire chier là, ok? J'ai sérieusement l'impression de perdre la tête! Oh, excellente ta blague! Heureusement que j'ai pas mis la lessive à sécher. Pourquoi il y a autant de vent? Sûrement le réchauffement climatique. Greta avait raison. Attends que je résume. Ça fait des jours que t'entends un bruit super chelou et tu m'en parles même pas à moi? Ta sœur? Ah, et aussi quand tu pètes, ça pue. Ok, ça c'est totalement hors sujet. Bon, alors on fait quoi maintenant, Elsa? Bah, c'est un éboulement, on va tous crever là. On est dans une merde totale là, les biatchs. Pierre, ben nous on y est pour rien. On comprend rien à tout ce bordel qui nous tombe sur la gueule là. On va utiliser le pouvoir magique du résumé en 5 minutes alors. Bah, c'est clair, il faut dynamiter ce barrage. Ça t'excite pas, toi? Parce que tu sais, moi ça me rend toute chose. Oh! Sven, je viens de te trouver une remplaçante, mon petit gars. Waouh. C'est quoi ce truc? Comment tu veux que je le sache? J'en sais rien, moi. De la fumée, non? C'est la forêt qui a été gazée. Et toi, t'arrives à te dégazer comme ça? Et pourtant, s'il y en a une qui est forte en dégazage, c'est bien toi. Ah, ce serait vraiment cool que t'arrêtes de parler de ça, s'il te plaît. Voilà le barrage, maintenant faut le dynamiter. Mais on peut pas faire ça. Hein, pourquoi? On n'a pas idée d'être aussi débile. Bah, c'est un barrage, ça bloque l'eau. Et si on fait péter le barrage, ben l'eau va se déverser sur notre ville, quoi, et on va tous crever. C'est moyen, quoi. Bah, il suffit de faire évacuer. Je veux dire, si tout le monde s'en va de chez eux, bah... Putain, mais toi, t'es vraiment... Mais on est en confinement, Anna, on peut pas quitter chez soi. Du coup, c'est vous les souveraines d'Arendelle, là? Franchement, ils ont pas des gueules de souveraines, hein. Vas-y, la vieille, la ramène pas avec ta gueule de Witcher, là. Espèce de bouffon, Witcher, c'est pas le nom d'un personnage, c'est Gérald de Rive, le personnage. Non, en fait, je voulais parler de la witch dans l'effort. Ça va, tranquille. Tu veux ma photo, quoi? Tu serais pas le gars qui joue dans le Black Panther? Idris Elba? Non, peut-être Morgan Freeman. Oh, en même temps, je sais pas, vous ressemblez tous pour moi. Ce serait pas un peu raciste, ta sœur? Bordel de merde! Reviens ici! C'est quoi ce truc? Ok. C'est un produit dérivé, quoi. Libéré, délivré, délivré, délivré. On a décidé de faire The Voice avec ta chanson. Du coup, est-ce que vous avez trouvé ça bien?
Franchement, c'était de la merde. Mais il y a un potentiel, hein, je vous assure. Vous serez peut-être pris dans une dizaine d'années. Pff, sérieux, c'est Star et c'est la paix. Faudrait peut-être qu'on se concentre sur notre mission, non? C'est quoi ce... Elsa, où est-ce que tu vas? Suis-moi, le bruit vient de là. Le fameux Tata Monique. Tatamo quoi? Je sais ce qu'on doit chercher pour prouver que c'est vraiment le Tata Monique. C'est un dessin, c'est... Trouvé. Ah bah c'est juste le dessin d'une meuf à poil. Le dessin est pas mal quand même. Elle a des proportions super bizarres, elle ne ressemble pas du tout. J'avoue, regarde les détails sur les tétons. Allez, on va faire péter ce barrage maintenant. Mais c'est impossible, Anna, si on fait ça, tout le monde va mourir. Mais j'en ai rien à foutre. Pierre nous a dit de détruire le barrage. Et c'est ce qu'on va faire. Il l'a vu dans une vision. Une vision, ça ment pas, voyons. Connard. Elle est où, Anna? J'ai été obligé de la tuer. Elle s'était radicalisée, elle voulait détruire le royaume. Eh, ça te dirait de devenir ma nouvelle sœur? Pourquoi pas? Libérée, délivrée... Ah non, c'est pas la chanson de celui-là. C'est quoi la chanson de celui-là? Donc voilà, c'était la toute dernière chaîne de la vidéo. Putain! Bon bah voilà, c'était la toute dernière vidéo de la chaîne. Il n'y en aura malheureusement pas d'autres, à part celle qui explique pourquoi il n'y aura plus de vidéo, qui est en description. Si ça vous a plu, bah partagez-la un max, et mettez un pouce bleu si ça vous dit. J'aurais plus accès à la chaîne, mais je verrai quand même les pouces bleus. Puis abonnez-vous aussi, et mettez la cloche, parce que bah, si jamais on a beaucoup d'abonnés, peut-être qu'ils vont se dire « Ah bah, on va peut-être faire quelque chose pour cette chaîne. » C'est la fin, comme dit Adèle, dit ses IN. Des bisous.